s'ensuit de... Lotus Exige Cup sur la ligne de départ avec Olivier Campinato. Tout à fait. Et on n'a pas beaucoup bougé dans cette classe en tête. Stéphane Garcia sera le vainqueur sur la base de 130 euros dans le deuxième rang pour le 35. Et on va pas améliorer un avec la Lotus numéro 58. Rappelons-le, est deuxième de cette catégorie. Et la suite d'un fragile. Avec Antoine Cordonnier à son volant, voiture peu commune, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure.